0-15. Il y a eu un retour qui est sorti. 15 au service Gerulaitis. Thank you.
35-15. Ouais, c'était superbe. Je crois qu'on peut dire maintenant qu'ils jouent même un peu au-dessus de leur valeur. Et oui, un smash que l'on nomme Alanastase, remarquablement exécuté par Connors. Égalité. Une balle, second serve. Gerulaitis. Gerulaitis, un jeu partout, quatrième. Voilà, égalité dans le quatrième set, un jeu partout. Et voilà maintenant 2h43 qu'a commencé cette première demi-finale, alors que la seconde opposera Borg à Solomon. Et je dis enfin, Gerulaitis gagne un jeu, car sur les 7 derniers jeux, il avait eu des avantages sur 6 de ses 7 derniers jeux, il n'avait pas pu en gagner un seul. Thank you.
15-0. Sur une volée manquée de Gerulaitis, Connors manque le point lui aussi. C'était un peu keeper gain sur ce point. Gerulaitis mène par 2-1. Oui, et ce qui est bien dans cette partie, c'est que Gerulaitis, juste après avoir perdu le tie break, eh bien, n'a pas faibli, alors que ça arrive souvent. Je crois qu'un joueur qui a perdu un tie break très accroché a un petit coup de fléchissement dans le jeu qui suit. Oui, c'est exact. Il s'est très très vite repris, bien qu'il était de nouveau malmené. Il était mené 1-7-0. Il avait une balle de 2-0 contre lui et s'est repris. Alors qu'on voit ici un échange avec une balle un peu longue qui est une erreur. Et donc, jeu pour Gerulaitis. Il faut dire que depuis le début de ce quatrième set, et un peu sous l'impulsion de Gerulaitis qui redonne...
40-15. Gerulaitis. Gerulaitis mène par 3-1. Oui, jeu Gerulaitis, mais là encore sur des fautes de Connors, qui a eu du mal à tenir la balle à l'intérieur des limites du terrain et qui a manqué une volée relativement facile. J'ai l'impression que sur ce smash, il est réussi pourtant d'habitude très bien. Il a sauté un peu trop tôt. Oui, il était trop à contre-temps et il a complètement manqué. Est-ce que ce ne serait pas un tout petit signe de fatigue ? Dans un cinquième set, essentiellement sur terre battue. Alors que, toujours notre petit clin d'œil à la tribune présidentielle, où il y a, bien sûr, et nous nous en réjouissons, Jean-Paul Belmondo, assisté de Charles Gérard. Oui, il me semble justement que je vois la marque là. Je ne peux pas juger si elle a touché la ligne ou pas, mais elle me paraît faute. La marque me paraît à l'extérieur de la ligne en tout cas. Est-ce que ça a frôlé ? Il y a un impact qui est très net et qui est interprété par Gerulaitis comme touchant la ligne et interprété par Connors comme étant faute.
Voilà, c'est en tout cas c'est la première petite discussion depuis le début de cette rencontre où les deux joueurs ont été d'une correction parfaite jusqu'à maintenant. Mais c'est toujours vers la fin des rencontres qu'arrive ce genre d'incident car les joueurs commencent à être un petit peu nerveux, un peu fatigués. Voilà maintenant 2h57 qu'a commencé cette première demi-finale. 15h. Et oui, en contestant cette balle, finalement, Gerulaitis est pénalisé. Ça a coupé le rythme de son service et c'est ça sans doute qui a provoqué cette double faute.40 ans. Une balle qui a sauté sur la ligne, là, qui a surpris Gerulaitis. Gerulaitis mène par 5 jeux à 1 dans la quatrième manche. Et oui, c'est Connors qui semble accuser un petit coup de fatigue dans ce quatrième set après avoir remporté le tie-break du troisième. Connors au service. Thank you.
30-0. Un faux bond là. Gerulaitis s'en plaint. Je connais. Gerulaitis mène par 5-2. Oui, et Gerulaitis reste bien placé dans ce quatrième set, car au fond, il est somme toute assez logique que Connors ait gagné son service. Hein. Particularité, c'est qu'il ne s'énerve que très rarement sur ses propres erreurs. Au contraire, il s'en amuse. C'est une façon de se décontracter. Voilà, 40-15 et donc deux balles de quatrième set pour Gerulaitis. Jeu et quatrième manche, Gerulaitis. Six jeux à deux. Dernière manche, Connors au service. Rêver meilleur demi-finale. 0-15.
Ah, c'est un début de cinquième set difficile pour Connors. 0-40 sur son service. Se jette sur toutes les balles, il vient de s'écrouler sur un juge de chaise d'ailleurs, il est vraiment, il se bat d'une manière exceptionnelle, Gerulaitis. C'est ce qu'on appelle un passing shot en débordement, c'est-à-dire qu'on se laisse aller avec la balle pour ouvrir l'angle et Gerulaitis l'a remarquablement réussi. Gerulaitis mène 2-0, dernière. Eh bien, il va lui falloir beaucoup de courage à Connors pour tenir la distance dans ce cinquième set. D'autant plus que Gerulaitis joue maintenant tant en attaque qu'en défense avec beaucoup d'assurance et beaucoup de réussite. Zéro.
retard. Un jeu que Connors ne peut pas se permettre de perdre. Oui, non seulement Gerulaitis est extrêmement présent physiquement sur le terrain, mais en plus il a un peu de réussite, ça devient très difficile pour Connors. Et nous assistons à un tennis superbe, vraiment au meilleur niveau. Gerulaitis mène par 3-1. Ah, quel extraordinaire champion que ce Connors qui, dans les moments les plus difficiles, quand il est mené, est capable de faire des balles exceptionnelles. Il a toujours bien joué depuis le début de cette rencontre. Chaque fois qu'il était en difficulté, il vient de reprendre un service à Gerulaitis. Yeah.
15-0. Oui, Connors qui est très encouragé par le public de Roland Garros. Encore un fort bon, oui. 0-15. Wow.
Faute. Celle-là semblait bonne pourtant. Pardon, une seconde. Peux-tu regarder la main ? Voilà, Jacques Dorfman demande au juge de ligne d'aller juger de l'impact de la balle. En fait, c'est une manière élégante de demander au juge de ligne de peut-être revenir sur sa décision. Voilà, c'est dommage que ce petit incident arrive à ce moment-là de la partie, la car balle, c'est toujours gênant dans un cinquième set. Et Jacques Dorfman, qui est très autoritaire, et il le faut sur la chaise d'arbitre, indique sur un ton qui ne justifie aucune réclamation que la balle avait touché. Gerulaitis mène par 4 jeux à 2. Oui, Connors n'a toujours qu'un service de retard, mais un service de retard dans un cinquième set, c'est toujours une position difficile pour Connors. Alors qu'il a été très dangereux sur ces deux passing shots qui se sont écrasés sur la bande. Zéro. Thank you.
40 à. Et Connors qui joue de plus en plus avec le feu, qui est encore une fois revenu de 15-40 à 40 partout, alors que Gerulaitis avait deux balles de 5 jeux à 2 dans ce cinquième set. Funambule qui n'aurait plus de balancier car il a été obligé de sauver cette balle. Thank you.
Et là encore, Connors a sauvé une balle de 5 jeux à 3 pour Gerulaitis. Il aura peut-être perdu le match sur cette volée. Toi. Et oui, c'est volée basse au-dessous du filet qui pose des problèmes à Connors. Ce n'est pas la première, alors qu'il avait fait une remarquable attaque. Et les deux joueurs qui, au cours de cette partie, auront beaucoup utilisé ce lob de défense, avec en général beaucoup de succès de part et d'autre. J'ai l'impression que justement au départ Connors pensait qu'elle sortait et n'a pas voulu prendre de risque. Elle était très proche et il s'est merveilleusement quand même détendu. Thank you.
Décidément, les volées basses n'auront pas réussi à Jimmy Connors. Les fautes. J'avais l'impression qu'elle avait touché, mais les fautes, c'est une volée relativement facile que vient de manquer Connors. Ce n'est sûrement plus le moment. Trois balles de match pour Gerulaitis. Première balle de match sauvée par Jimmy Connors. Deuxième balle de match sauvée par Connors. Cette partie sera exceptionnelle jusqu'au bout. Troisième balle de match sauvée par Connors, alors que Gerulaitis menait 40-0 sur son service. Quatrième balle de match pour Gerulaitis. Voilà ce que l'on craignait depuis le début, la double faute, les nerfs de Gerulaitis sont craqués. Quatrième balle de match, disons-le, sauvée par Connors.
égalité. À une dramatique sensationnelle sur le central de Roland Garros. Cinquième balle de match pour Gerulaitis. Bravo Gerulaitis.